Ah, je hais les serpents. Hey, hello, bonjour mon petit cochon, comment ça va? On se retrouve pour la suite de Monster Boy and the Cursed Kingdom. Et bon, ok, il est toujours aussi blasé, je comprends. Allez, donc c'est bien un ennemi, lui, c'est ça? C'est bien un ennemi, mais... Alors, le, par contre, le or... Ah, mais ok, ah, bah ça va, en fait, je l'avais récupéré. Ah, mais... Ah, c'est la forêt des pièges, en fait, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tout à fait ça. C'est bien la forêt des pièges. Ah, on sait pas quoi que ça sert exactement. Ah bon, en plus, c'est timé, c'est merveilleux. Cui-cui. Voilà, quand même, cui-cui. Alors, le petit bouton qui va nous faire ouvrir la porte, voilà. Merde. Oh là là. Oh mais en fait c'est pas gagné-gagné hein. Ah oui parce que du coup je vais refaire ça. En tout cas j'espère que vous ça va bien. Oh bordel moi non. Il manque un truc, c'est pas possible. Il y a rien d'autre qui manque. Ah mais non mais j'ai pas tout ce qu'il faut. C'est sûr que je... Alors... Ah vous me direz... Eh vous me direz le cochon ça aime la boue. Ah bah c'est juste... Ah d'accord c'est juste des sables mouvants. Oh bah ça va. Enfin des sables mouvants. Des sables de bois plutôt. Des sables de bois. Ah ça en fait il est en train de... Est-ce qu'on peut couler complètement? Mais je voulais couler tranquille. On peut même plus couler, hein, ça va. Petit psy, viens par ici. Ah d'accord, ok, ouais, en effet, c'est ça. C'est très drôle. Techniquement, j'étais sur la branche. Hein. Il y avait un peu la branche en plein milieu, je dis... En plein milieu, je dis ça, je dis rien. Pour moi, ça fonctionnait. Cui-cui, bonjour. Ah, ah, pognon. Pognon. Ah, mais oui, forcément. Attendez, je veux juste voir ce que ça fait. Ah, c'est juste ça, sérieux? Ah, mais c'est génial! Ah mais si ça se trouve il y a un vrai truc en dessous quoi. Ouais. Bon par contre vous voyez qu'on respire pas mais voilà. Voilà. Au moins on meurt mais c'est une mort volontaire. Ne commencez pas à compter. C'était une mort volontaire. Bon toi par contre monsieur t'es bien gentil mais... En train de me les briser menu. Au début ça allait hein, c'était tranquille et puis alors là c'est une... Suite de... En vrai, il servait à rien ce compte à rebours là. Allez, vas-y, la façon dont je peux toucher est totalement dégueulasse. Voilà, bien. Ah, mais en plus, je peux pas. Je peux éviter les monstres, sérieusement! Et si en plus, il traverse les murs, à un moment, on n'a pas fini. Ah, nice. C'est qu'il se voyait pas forcément, lui. Ah mais ça elle est moins bonne, celle-là par contre elle est moins bonne. Oh le boulet, boulet-lé, qui délé, le boulet-lé. Voilà. Ah celle-là elle était belle. Ah mais t'as cru hein, t'as cru Eh puis non, y'a pas de meme qui tienne. Alors pourquoi ce point de vie s'en va en l'air? Ah non, ça s'en va pas en l'air.
que je peux même pas récupérer le point de vie, mais c'est scandaleux. Voilà, bah tu... En même temps, tu as le pouvoir du feu, PF. Tu ne t'en sers pas. Au bout d'un moment, c'est un peu... Ah, bonus, 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 bonus. Voilà, merci pour le machin. Alors par contre, ma vie a totalement explosé, quoi. Oh là là. Ah, mais je l'ai pas vu, lui. Tiens, vas-y. Ah, il est colère. Ah, regarde-le qui est colère. Ah, t'as envie de me tuer, hein. Eh, tu pourras pas. Une porte. Une porte. Secret, secret, secret. Oh oui, merci. Ah, what is that? D'accord. Super truc de boomerang. Ton aptitude de boomerang a été débloquée. Les boomerangs endommagent les ennemis et attrapent le butin à distance. Ils passent même à travers les murs et peuvent être récupérés. Ils trouvent plus de trucs pour augmenter ta magie boomerang. C'est cool ça. Yeah. Du coup, je vais pouvoir abattre les monstres à distance. C'est sympa. Et par contre, comme je n'ai rien pour sauvegarder, bah, je vais être un peu dans l'os. Non. Ah ouais. Mais c'est quoi ces espèces de cages? On dirait qu'il y a des ennemis à l'intérieur. Enfin, des ennemis ou des amis, ça dépend, mais... On dirait qu'il y a des monstres à l'intérieur, c'est glauque. C'est glauque. Mais... Alors là, j'ai plus rien. Un demi-point de vie, c'est la dèche. Boomerang! Oh le débile! Ah ben merci pour la save, franchement. Je vous kiffe. Je vous kiffe aussi, hein, chers abonnés. Oh la va, attention. J'ai du mal avec son cul, moi, ça c'est plaisir. Oh la chance, oh la chance. Oh le gangbang! Ah l'ennemi s'est fait. Ah il y a eu vengeance là. Ah du coup faut les sauver? Non. Non. Ah non. Eh excusez-moi mais ça se respectait hein, comme choix. Ah, ça pouvait clairement jouer. Hein. Je dis ça, je dis rien mais ça pouvait clairement jouer. Ah, bon, j'ai récupéré ça, c'est tant mieux. Mm-hmm. Ah là il est beaucoup moins colère. Là il est très colère. J'adore. Je les adore vraiment. Mais pour en revenir à l'histoire de... Du coup de cul, hein, le CFDQ. Franchement j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Difficile en fait de jauger comme ça. Là. Le coup de cul. On en revient toujours au CFDQ. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'échappe quoi. Ah non mais... le pourcentage de chance que ça me tape. Espèce de modeleur de terre va. Ah ah le retour du boomerang. Tu l'as pas vu venir celle-là mon gars. Et en plus j'ai l'impression qu'il y a des gens dedans, enfin c'est... Je comprends pas. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah mais oui je suis bête. Suis-je bête? Attention! Bain de boue pour tout le monde! Ah mais alors là c'est un one shot direct quoi, c'est vas-y dégage! Me fais pas! Mm-hmm.
Mais comment je fais pour atteindre ça, moi? Ben, je fais comment? D'accord. Pitié, pitié. Voilà. Ça, ils ont dit pour ça. Hop, du coup, on remonte. Bon, je pense avoir l'idée, hein, mais oh la vache. Ah, mais si. Oh non, en vrai, ce son-là, il est quand même compliqué. Ah, mais non. Voilà. Ah, yes. Oh, le papa long, le papa Lombo, c'est ça, le papa Colombo. Le papa Colombo, il est là. Salut, monsieur cochon. Ce n'est vraiment pas mon jour. Tu veux bien être sympa et casser cette cage pour moi, s'il te plaît. Merci. Il ne m'a pas du tout reconnu. Hé, hey, Pepe Logo, c'est moi, Jean. Qui? Monsieur Cheveux Bleus. Monsieur Cheveux Bleus. Eh bien, on peut dire que tu as changé. Mais rien, hein, je te rassure. Ce nouveau coin me plaît vraiment beaucoup, tu sais. Tu pourrais casser cette cage pour moi, s'il te plaît? Je me sens un peu à l'étroit là-dedans. Et arrête de me regarder comme ça. Bien sûr que je vais casser ta petite cage. Merci, mon pote. Pourquoi tu étais enfermé dans cette cage? Je ne sais pas. Je suis tombé d'un coup dans un piège. C'est l'habitude. En tout cas, merci encore. A plus tard, monsieur cochon fameux. Non mais attends. Merci. J'adore le Pepe Logo. Monsieur cochon. On parle de monsieur cheveux bleus. Puis de monsieur cochon à cheveux bleus. Ah, ça promet. Ah non, mais je suis totalement fan de ce petit gars. Alors là, vers l'infini et l'au-delà. Hey, oh, joli plan. Franchement, ça, c'est un joli plan. Vous voyez, tout en calme, en sobriété, en simplicité. Que demander de mieux? Frapper un coffre, que diable. Voilà. Et un cœur en plus. Voilà, on a 5 cœurs. En plus, ça vous sauvera la partie. Une vraie save en plus. Ah, c'est bon ça. Ah non, mais elles sont dégueulasses. Oui, 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 oui. Oui, il faut le faire rebondir un cochon comme ça en plus. Génial. Ah non, mais c'est totalement génial, quoi. Petit petit. Petit petit. Voilà. Alors, à quoi sert ce bouton? Ah ah. Ah merde. Ah bah en plus je suis escargot, c'est cool ça. Ah c'est dégueulasse. Bah, dégueulasse, vraiment. Alors là techniquement c'est censé aller. Voilà. Intelligence. Voilà, là c'est mieux. Bon on va faire comme ça parce que c'est un peu... Il y a un peu de dégueulasserie sur les bords quand même. Merci pour le point de vie. Ah, par contre, toi mon coco, t'es bien gentil. Hein. Ah. J'adore ce truc. Allez hop. Ah non mais c'est génial. Ah non mais c'est totalement dingue. Ah non mais l'autre il atterrit tout en haut quoi, c'est impressionnant. On va attendre qu'il redescende. Ah, c'est tellement dégueulasse. Oh non, mais c'est dégueulasse.
Bonjour, jolie dame renard. Pourquoi faites-vous cette tête? Ah, quand c'est gentil. C'est à propos de ma famille. Mon mari, Fuximus, est assez contrarié car nos enfants ressemblent à des ratons laveurs maintenant. Tu comprends? Ouais. Oncle Nabou? Au moins, ils n'ont pas été changés en quelque chose de pire. Croyez-moi. Si seulement il y avait un moyen d'enlever cette malédiction. Ne vous inquiétez pas, madame. Il y a de l'espoir, mais nous avons besoin d'un orbe magique qui serait caché dans cette forêt. Vous comprenez? C'est vrai? Fuximus connaît la forêt mieux que quiconque. Vous pourriez le trouver au sommet de notre arbre. Bonne chance! Ah putain, non! Ah, faut absolument que je vous laisse le montage original. Reviens en arrière. C'est vrai? Voilà ce qui vient de se passer. Ah non, mais ce lapsus. Du coup, j'ai totalement zappé ce qui s'est dit. Voilà, merci, en effet, c'est ça. Bon, je préfère quand même l'autre nerf, là, elle est quand même beaucoup plus mignonne. Mais... les personnages sont vraiment mignons, quoi, dans ce jeu, j'aime beaucoup. Ouais. Carte mise à jour. Alors, bon. Truffe de bombe. Ah, truffe de bombe. Et où, truffe de bombe? Je ne sais pas si vous allez dire que j'ai oublié une truffe. Une espèce de truffe. Ah non, 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 j'ai raté. Par contre, c'est une truffe de tornade que j'ai dû rater. Ouais. Mais elle n'a pas l'air d'être dans le coin. Bon, du coup, on cherche un peu ce qu'on peut, hein. Cherche un peu. Ah. Bon, mais je peux pas. Parce que là, si seulement il y avait Marie, si seulement Marie. En effet. C'est ça. Allez, parce que là, je sais totalement plus ce qui se passe, donc je reviens. Bien. Du coup, maintenant, ok, il est au sommet de cette arbre. Sauf que si je peux pas rentrer là-dedans, c'est con. D'accord. Ouais. C'est un peu ce que j'avais essayé il y a pas longtemps et tu m'as dit non, donc à un moment, moi je ne comprends pas ce que tu veux me faire là, mon gland. Alors, il y a la droite, il y a la gauche. Ça sent quelque chose de bizarre par ici. Je sais pas vous, mais ça sent quelque chose de bizarre. Ah, pas parlant, en tout cas, je ne peux pas aller plus loin, hein. Il y a une porte dans le coin, là-haut. Hop, et on peut en plus aller à gauche, donc, à voir. Ah! Yeah! Bonjour! Ah bah, en plus, elle me donne des élixirs, c'est cool, ça. Merci pour l'élixir, 40 points. Je pense qu'il faut mal au fion. Ah oui, non, mais c'est extrêmement douloureux, ça, hein. Haha. Ce n'est que du feu, hein, certes, mais... toujours pas mal. Attendez. Mais c'est tellement dégueulasse. Mais c'est tellement dégueulasse. En plus, je suis escargot. Ah, je suis turbo, là. Ah, c'est bon, ça, mais... ah, le turbo, il est rapide. Mais... ah, mais c'est dégueulasse. Sale bête. Sale chienne! Alors, je dois normalement pouvoir passer par en haut. Ah bah tiens, ça me rappelle cet endroit dans Ori. Et là, c'est sûr que je ne peux pas passer, quoi. Ah, mais là, je ne peux point du tout passer, mais si. Alors, point du tout! Il y a point de bœuf pour tirer! Juste un cochon! Merde! Ah là là, bref, du coup, nous. Mais du coup, j'avais mes 200. Salaud, va.
Ah mais du coup, mais tout est au ralenti. Et maintenant ça va mieux. Voilà, par la gauche. Oh bordel. What? Ah ah! Il y a un peu de dust nébulisé. Ah non, c'est juste l'ennemi qui repop en fait. Ah mais oui, je suis con. Oui, merci, j'ai compris. Je sais comment faire du coup. Enfin, si je savais bien le faire, ça se saurait. Parce que mine de rien, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais je joue quand même au. Pas au joystick, justement, ouais. Je ne joue pas au joystick, hein, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et hop, on rentre dans la porte. Ah, et alors ça, je dis oui. Cherche, cherche, mais... Pourquoi je ne peux pas? Génial. Ah voilà, c'est bon. Bon, ce gaspillage hein, quand même, c'est pas faux. Super truc de foudre, tu as reçu des capacités électriques. Invoque un éclair qui électrocute les ennemis et active les objets spéciaux. Trouve plus de trucs pour améliorer ta magie de foudre. Bien. Menu radial débloqué, tu peux changer de magie facilement. Tu peux les désactiver depuis le menu option. Ah d'accord, ok, avec elle. Ok, ouais, sympa. Ah non, pas fan. Pas fan de, cette option là. Alors, jeu. Changement magie auto. Menu radial, non. Voilà. Je préfère comme ça, vous voyez, c'est quand même mieux. Dart is better. Bon, peut-être que dans les prochains machins ça me plaira pas, mais là en tout cas ça me plaît. Voilà, ça me plaît comme ça. C'est ce qu'il me faut, c'est ce que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'après. En combat de boss, ça peut être plus utile. J'avoue. Du coup, ça vous fait un temps de pause et ça vous permet un peu d'anticiper ce qui se passe. Vous voulez que je fasse un truc de malade, quoi. Mais on dirait ce passage dans Stormy Ascent. Oh punaise, on n'est pas couché, les gens. On est vraiment pas couché. Oh là là. Ah ouais, vachement. Je suis censé faire moi. Oh bon, vraiment pas couché. Ah merde. Mais la pièce, mais reviens là. Bon courage à ceux qui resteront jusqu'au bout. Ah, mais en plus il faut compter qu'ils soient au milieu. Oh là là. Autant la maniabilité est géniale, hein. Je dis pas, y'a rien, quasiment rien à dire sur ce jeu. Mais oh là 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 là, cette... En vrai, le premier, ça peut passer. Opa! Y'a bon! Finally! C'est quoi ce truc? Partie du bracelet d'or, rassemble-les toutes et donne-les un forgeron talentueux. Un forgeron talentueux peut créer le bracelet ultime. Tout à fait, un forgeron. Et en plus, c'est même pas pour rencontrer l'autre! Mais c'est du foutage de bip! Sérieusement, c'est du foutage de bip! Non? Ça va dépenser. J'ai dépensé tout ça pour ça! Et au sommet de la forêt. Ah ouais? Attendez. Ah ouais. Ah d'accord. Tu
Tiens, voilà. Ah non, mais là, ce passage-là, il était pouah, extrêmement hard. Hein. Pouf, gros patapouf. Marquis, marquis. Mais. Aide-moi. Oh non. Ah, dégueulasse. Ah pétard, je vous jure, je déteste ces bestioles. Oh là là, c'est pas possible. Yatra, je récupère un cœur. Un cœur, que dire, un cœur. Et non pas encore. Quoique, si je pourrais, mais... Tu ne mourras pas. Mais allez donc! Allô, mais c'est pas possible! Ah non, il y a de l'intelligence dans ce niveau là, c'est... Non. Bah, c'est tellement moche. On va falloir faire gaffe quand on descend. Ah, mais attendez, je peux pas aller par là, moi. Ah! Attendez! Bon, on va détruire la petite là. Voilà. Désolé pour cet excès de vulgarité soudain, vraiment. Ah, je m'en excuse. Oui, je m'en excuse. Non, attends. Ah, c'est le boomerang. Boom. Par là, le boomerang. Mais je pensais que ça récupérait les coffres! C'est vraiment dégueulasse, je pensais que ça... Bon, ah mais c'est sympa ça par contre ça. Je te... Alors ça c'est très sympa. Parce que c'est un peu comme une... C'est vraiment comme une arme en fait, c'est ça. Bon, je suis censé faire pour aller jusqu'au... Attendez, il y a quelque chose ici là. Ah mais oui, mais je suis... Pourquoi ne l'ai-je pas vu depuis le début? Oui, je viens seulement en apercevoir. En fait, ces images sont un peu troublantes. Bon, ok, ma vue n'est pas non plus. C'est pas faux, certes. Et là, le petit trou qui est ici, il faut le voir, quoi. Sale bête. Merci, mais tout ça pour ça, ça me sert à rien, moi. Bon, save. Il me faut une save, quelque part, vite. Une save, vite! Une save, vite! Attention à la sale bête qui va... Ah là là. Bah. Ah bah. Pièce! Elle est assommée. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça me fait juste escargot, en fait, ça fait pas forcément perdre de points de vie, hein. Allez, bon, maintenant, par contre... Ah, l'autre, elle est réapparue, par contre. Oui. Allez, vas-y, dégage. Ah, par contre, je peux vous assurer que je déteste ça, quoi. Elle est tellement moche. Oh, putain, salaud, va. Oh, mais la glissade! Oh non, mais c'est typiquement le genre de saut. Alors, je sais plus dans quel jeu, je crois que c'était les Mario ou les trucs comme ça. Qui était assez dérangeant à ce niveau-là. Et qui vous est glissé si vous couriez. Enfin, c'était assez dérangeant, je trouvais. Et on est un peu dans cette. Dans ce truc-là, oui. Voilà! On l'a quand même, hein, là. Hop, mieux vaut l'étrangler comme ça et être tranquille que... Ouf.
On y est. La sauvegarde, elle a lieu quand? D'accord, bon, bah, après, c'est pas si difficile que ça. Ok, ouais. Pas sûr que ça ait fait escompter, mais bon, c'est pas grave. Ça. Alors, attendez, si je vais aller de l'autre côté. Ah, non, ouais, j'ai compris. Y'a compris ce qu'il faut faire. Y'a boy. C'est pas suffisant! Oh non, mais vous êtes dégueulasse! C'était juste pour suffisant, c'est cool ça. Et là, ce sera largement suffisant du coup. Allez, pousse mon cochon! Ah, il y a une force hein, le cochon quand même, ouais. Regardez-le en train de pousser là, c'est beau. Ah, oh, il est mignon. Qu'est-ce que tu fais ici, cochon? Tu ne vois pas que je suis occupé à essayer d'attraper ce fou volant? Je suis désolé, commandant, que j'ai transformé votre famille. Ouais. Mais... Ton oncle? Jean, c'est bien toi? Et moi qui pensais que mes jumeaux transformés en raton laveur, c'était un drame. Ouais. Attends un peu que je mette la main sur ce Naboo. Je vais lui faire regretter d'être entré dans ma forêt. Ouais. Je sais que vous lui en voulez, croyez-moi. Ouais. Mon oncle n'a jamais agi comme ça auparavant. J'ai appris qu'il existait une autre façon de régler tout cela. Nous avons besoin des orbes sacrés légendaires. Ouais. Cette vieille fable. Je suppose que ça vaut le coup d'essayer à ce stade. Tiens, cela te permettra d'explorer la forêt. Mieux vaut trouver ce que tu cherches avant que je ne donne une bonne leçon à Naboo. Crois-moi, ça vaut mieux, mon cochon. Clé de Foximus, elle ouvre la porte qui mène vers le cœur de la forêt. Cool! C'est qu'il a un bon début, Foximus, hein, quand même. Écoute, merci mon petit Fox, t'es mignon, t'es gentil, hein, t'es tout ce que tu veux. Allez, on a à droite, on peut pas y aller, je suppose, hein, c'est ça, la forêt, elle est vraiment... Donc on est tout en haut de l'arbre. Hein. On peut pas aller plus loin, on a juste à redescendre. Jusque là. Ah mais oui, mais là, en effet. Alors du coup... On se dépêche. Ah bon, on va faire ça. Hein. Voilà. Hop. Et puis il est bien gentil. Et voilà. Hop. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Alors. Hé, hey, j'ai retrouvé ton copain. Si vous voyez mes enfants, dites-leur qu'ils sont en retard pour le déjeuner, hein? Oui, tout à fait, oui. On dira. C'est vrai que c'est l'heure de manger. On a faim. On a faim. Et on a sauvegardé. Donc justement, c'est l'heure d'aller manger. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez manger. Bisous, bisous. Bye!